Yo, c'est Gunshot de la Fumée Sim. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rust suite à des mises à jour sur l'expérimental. Donc voilà. Donc, on va essayer d'aller sur le serveur expérimental. What? Des bugs. Ah bon? Maintenant, il y a un serveur. Alors, on va. Bon, bah, je dois ça au favori. Ah bah, essayez de rejoindre le petit serveur. J'ai un petit bon petit ping. Alors, on va voir ça. Je sais pas si ce sera un serveur comme on avait l'habitude d'y aller dans la version principale. You are dead. Normal. Alors, réveillons-nous. Allez, wake up. Hop là. Ok. J'arrive sur le serveur. J'entends des. Ok. Pourquoi j'ai. Ah, c'est peut-être mon personnage, je le vois. Je vois la tête en fait. Je vois la tête de mon personnage. Ok. Sublime. Seriously. Alors, ils ont un peu changé l'interface. J'ai vu ça il y a quelques jours. Donc, maintenant, on a toute la construction par rayon en fait, donc ça va. Donc là ça sera pour tout ce qui est bâtiment je pense. Là ça sera pour tout ce qui est construction intérieure je crois. Là ça sera pour, je sais pas, pour la création, il y a le grade, UL, donc pour avoir du papier. Donc à mon avis le papier sera utile dans cette version. Donc là, après là c'est pour les habits. Bon ça c'est pour les tout ce qui est outils, soins. Nourriture et là. Armes, je crois, armes de mêlée. Ouais, armes. Ouais, c'est les armes. Et là, les munitions. Ok. Et là, pour les pièges. Apparemment, on peut toujours faire des pièges. Donc voilà. Alors, ce qui me donne envie d'y aller sur eux, c'est qu'on peut apparemment. Non, y a pas. Ils ont pas toujours en rajouté les sons. Bref, on peut toujours récolter. Waouh, mais c'est chelou ça. What the hell? Ok. On va dire le serveur n'est pas vraiment stable. Est-ce que je peux prendre ça? Ah, ok. Voilà. Donc là, j'ai assez de bois pour faire une petite maison. Donc là, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai un peu plus déduit de l'autre jour. Alors, on pose nos fondations. Bien sûr, il faut que. Hop. Hop, on va faire une maison comme ça. Bon, allez. On va faire du 3 sur 3. Alors, le petit marteau. Hop. Et bing. Hop. Et franchement, c'est. Niveau craft comme ça, c'est. Franchement, c'est très sympa. Enfin, du moins pour moi c'est comme une avancée quand même. Donc voilà, là j'ai mes seules épées. Pour faire les murs apparemment il faut appuyer sur les fondations, clic droite, et là normalement vous avez tous les plans en fait. Donc là par exemple on va faire le plan de la porte. La porte par exemple on va la mettre ici. Donc là c'est un truc. Non c'est. Ouais c'est la. Enfin l'encadrement de porte, voilà. Donc là c'est la wooden porte, donc ça c'est on mettra après. Ça c'est le plan du sol, c'est pour l'au-dessus. Plan fondation, railing plan. Ça je crois que ça c'est l'escalier, enfin je sais pas. Plan de mur, ok. Donc là, hop, on met ça là. Ça ici, les préférences. Maintenant, en fait, vous pouvez mettre là où vous voulez les blocs, mais c'est un peu con. Enfin, ça peut être intéressant si vous voulez calfeutrer plus, mais. Je pense que un seul mur suffit. Hop.
droite. J'ai mal mis. Et ce qui est pas mal, c'est que. Ah, sur le côté là. Hop. On peut. Hop. On peut enlever assez facilement les constructions. Alors, plan de la porte. On va remettre une porte alors. Hop. Donc c'est parti, maintenant on construit tout ça. Vous voyez, ça c'est quand même assez rapide. Tant qu'on a les compos et tant qu'on a posé les parties. Donc voilà. Alors maintenant, hop, on va faire. Alors, plan de la porte. Wooden door. Ok. Voilà la petite porte. Donc là, hop, on peut l'ouvrir. Hop, c'est joli. Du moins, c'est, elles sont plus jolies que avant, en fait, les portes. Alors. Railing plank, c'est quoi alors? Ah! What? On peut faire. Un balcon, ok! Un balcon, super ça! Un balcon, ok. Ça peut être vraiment intéressant. Alors, un seul, ok. Escalier, hop. Non. Ouais. peut-être qu'on soit là, ce truc là. Parce qu'il est un peu mieux là. Hop. Donc voilà. Voilà, est-ce que je peux faire un truc que oui moi plan fenêtre. Franchement, c'est vraiment sympathique les constructions. C'est comme ça. J'espère que je pense quoi. Sinon, je vais recouper un arbre. Et donc, ça peut mettre trop longtemps. Un petit peu. Voilà la fenêtre.
qu'il n'y a pas des fous furieux qui vont arriver, qui vont essayer de me tuer. Parce que la dernière fois que je suis arrivé sur un serveur comme ça, il y a des personnes mal intentionnées qui essaient de me tuer à chaque fois que je construis un truc. C'est pas très intéressant. Alors, plante la porte. Hop, mettre une porte là. Une porte chichi. Pour aller sur le balcon. Est-ce que je peux faire un lockpick? Parce que j'ai vu qu'on peut pas ça, hop. Ok, je vais choisir un truc, ok. On va dire plan running. On va essayer. Alors si j'ai bien compris. Ok. Ok. Ça fait une sorte de balcon. Intéressant. Intéressant, franchement, ça peut vraiment. Ça peut vraiment être pas mal pour être à couvert et tirer sur les personnes à vue. Ça peut vraiment, vraiment, mais vraiment être utile. Je crois que j'ai vu qu'on pouvait faire une serrure. Ok. Lock. Je pensais que je pouvais faire un truc pour fermer la porte. Apparemment non. Ok. Déjà sur ce serveur dur, on peut commencer un petit peu, je crois, à chasser, à tuer du monde. Ça peut être sympa. Donc là, apparemment, on peut construire des jolies maisons comme ça. Ah, ça me saoule ça, la vision blanche là-dedans. Apparemment, il y a des petits arbres. Je sais pas si à chaque fois, si on récolte tout un arbre, je sais pas s'il va tomber. Là, ça va mordre rien. Par contre, on glisse toujours quand on récolte. C'est assez dérangeant. Un pauvre couillon qui est en train de récolter un arbre. Quoique ça plus vite que sur la version avant quoi. Bref, y a pas une pile de bois dans le coin, ni rien. Seriously, rien. Y a pas des spawns de farm. Ok. Hop là, retour à la maison. Hein. Alors, oui, voilà. On va mettre ça. Comme ça. Ce sera des sortes de. Sorte de perchoir. Plus éverti de la grille. Franchement, ça, j'ai hâte que le jeu sorte, enfin qu'il avance plus quoi. Qu'on puisse faire plein de trucs assez cinglés dans le jeu, c'est. Ça serait énorme. Ça serait vraiment énorme. Qu'est-ce que je voulais faire bon, apparemment là, on peut. J'ai que le bois donc je peux faire que ça. Alors, on va faire un escalier. On va mettre un escalier. Voilà, ouais, limite ici. Je sais pas, je pense pas avoir acheté de bois pour finir tout le bâtiment. Mais du moins, je vais essayer de faire cela. Hop. Alors, normalement, hop. Voilà.
franchement, le jeu peut devenir assez intéressant. Ce qui compte. Ah, j'ai plus de bois. Oh shit. Ah, bro. Ah, un HP. Seriously? Ah oui. D'ailleurs, je me trimballe à poil vu et en plus que j'ai des habits. Et après, je dis rien, c'est rien. C'est juste un petit oubli. Ah si. Donc, cette maison, je crois que je vais la fermer. Hein. Je crois que je peux fermer ça. Attends, 5. J'entendais pas. Je la perds. Je peux faire de lockpick, enfin un truc pour fermer. Ah la vache. J'aurais bien voulu fermer ma porte, bon c'est pas grave. Parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des sortes de fermetures en bois. Apparemment on peut pas. Enfin du moins j'ai pas les moyens. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura montré à quel point il peut être intéressant. S'il continue vraiment à le développer dans ce sens là. Bien sûr après il y a des problèmes, comme vous voyez là quand je tourne la tête, il y a des problèmes de texture. Pourtant, je suis avec un très bon PC, ça vient du serveur, à mon avis, qui est pas tout à fait encore stable. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur Rust Expérimental. Bye bye, c'était Gunshow!